c'est la galerie Marc Hachem. C'est une galerie qui défend des artistes contemporains surtout, et des artistes surtout dans le mouvement cinétique en fait. C'était ça l'idée au départ. Et après, j'ai commencé à défendre des artistes plutôt jeunes du Moyen-Orient. Ça fait pratiquement 6 mois que je cherche des artistes au Moyen-Orient. Je les amène en France, aux États-Unis, parce que j'ai aussi une galerie à New York. Donc l'idée, c'est de faire un échange culturel entre les artistes du Moyen-Orient qui sont contemporains, qui sont extraordinaires, qui sont capables d'exposer dans des biennales, dans des musées, etc. Et faire l'inverse avec les artistes internationaux qui sont à New York et à Paris pour les ramener au Moyen-Orient avec la galerie qu'on a ouverte à Beyrouth il y a 4 mois maintenant. Vraiment, avec le travail de Christa, on voit quand même une sensibilité spirituelle et une sensibilité artistique extraordinaire universelle et qui invite en fait au dialogue, invite à la paix, à la sérénité. On sent tout de suite quand on regarde le travail, on se trouve dans une ambiance plutôt zen, plutôt calme, plutôt pensive et agréable. Donc on le sent vraiment dans son travail, il y a toujours une idée. Bon, je pense que Christa saura expliquer son travail plus que moi, mais moi je sens qu'il y a quand même une réceptivité extraordinaire parce que ça s'adresse directement au côté intérieur chez les gens, tout de suite aux valeurs, je dirais, pacifiques, aux valeurs pensives, méditatives, intellectuelles, universelles. Je trouve que c'est original, c'est très zen, il y a un esprit zen de méditation. Je trouve ce travail d'une immense profondeur. J'aime beaucoup, vraiment. It's beautiful, the gallery is beautiful. I'm very, very happy to be here. C'est intéressant parce qu'il y a un côté hypnotique. C'est une merveille. She's an exceptional woman. It's fabulous. I'm very grateful to the gallery. I think they did a very nice job. And you know, being for an artist to be in Paris is a dream come true. So. At first, I take the paper and I treat it with biblical oils and essential oils, and then also with holy water. I have water from Lourdes. I treat the paper first, I paint this on, I use a lot more, and then that dries, and then I write on the paper, and then I put color on. Yes, the whole process, and then when I'm painting, I also listen to music that is at a higher Which level music? Of content. Well, many different kinds. I like Arvo Part. He's an Estonian composer and conductor. Never hear rock and roll music? Some rock and roll. You are rock and roll. Some country western. Yeah, actually some reggae. Ricky's very reggae happy. Reggae music too? Cesaria Evora. Cesaria Evora, okay. I love her. Today, everywhere we have war. We have war? Some people die, some people make a war. La guerre? La guerre? War? Huh? Yeah. And you exprime love everywhere and joy. And you write about all spirit things. So I'll explain with someone else's quote, not mine. It's Florence Scovel Shinn, a philosopher that I like very much, wrote that suffering is not needed, but very few people awake from their soul sleep without it. I have a picture, my website will soon be up, I have a picture when I was a little young girl, very, very little, and I just loved to paint. Three. Okay. The first thing I had in my hand was a paintbrush, and I could paint all day long. I just love making pictures. It makes me very happy. And today, how you spend your time today? I like to make my pictures as much as I can, but I also have other projects that I work on that I love. I'm also the consul of Lithuania. In a sense, this work is an experiment. There is a Japanese scientist, Masaru Emoto, who did studies about how words affect water and the human body.
And there's also another scientist, David Hawkins, who writes about levels of consciousness. So this work is an experiment on myself and on the people who view it to see if we can raise the level of consciousness. So by using oils that have a high level of consciousness, by listening to music with a high level of consciousness, and then choosing words with a high level of consciousness to see how they would affect me. So I'm in a meditation as I do the work, and my hope is that it will, perhaps as you look at it too, that it would raise you up a bit as well. Si on doit définir en un mot ce qui régit réellement l'initiative de Marc, ta galerie en un mot, ton entreprise en un seul mot. Défendre. Voilà. Merci.